possible là. Il est possible, vous l'avez. Ah, il est. D'accord. Ça va, ça va. Ça va. Civil Niamoro, Polisi Niamoro, and Garduka Niamoro, Ulu Belagile Nana Anofe, Kafra Ayreka, Maran Niamoka, Noyanga Gouverneur, Colonel Major Abbas Dambi, Ati Abulo du Fushila, Ni Amase, Awa Dou Maboma, Doula Datuma, Dunatuma, Okonakan. Grâce. Moi, Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Il y a un café qui est mobile. Il faut que tu aies un café. Mais il y a un café qui est
aucun témé, même si ça dégoûte encore ta capoanka. Il y a encore un peu de folie. Encore un peu de filana. Encore du coup, il y a quelque chose là-dedans. Ni nan, c'est la manière. Yes, sir. Messieurs les chefs de services régionaux, notabilité, leader de jeunes, des femmes. Au Mali, mesdames et messieurs les représentants des agences des Nations Unies, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole est respecté. Nous voici réunis pour l'inauguration du tribunal de première instance et du commissariat de police de Djenné, notre commune urbaine et le chef-lieu du CERF du même nom. Djenné, les populations de Djenné sont connues pour leur attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de l'islam. Rendons donc grâce au Tout-Puissant qui nous a montré ce jour plein de symboles, ce jour plein d'espoir. Au nom de tout le conseil communal, au nom du maire absent, je souhaite à tous la bienvenue. Mesdames et messieurs, en ce vendredi saint, plus que l'inauguration des deux infrastructures pour la justice et pour la police, il s'agit d'espoir pour la population de Djenné, une localité où, depuis des années, la liberté des personnes est menacée par le besoin de sécurité. La création d'un commissariat de police donne l'espoir que, de plus en plus, les plus hautes autorités du pays s'attaquent aux questions de sécurité en se dotant d'outils indispensables à leur compréhension. Car, à propos de la sécurité, un spécialiste du domaine a écrit, je cite, « Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. » Concept difficile à comprendre. La sécurité est complexe et polysémique. Nous demandons la sécurité alimentaire quand il n'y a rien à manger à la maison. Nous demandons la sécurité financière quand nos poches sont vides. Nous réclamons la sécurité routière quand il y a trop de morts sur nos routes. Les travailleurs exigent aux employeurs à la fois sécurité économique et sécurité sociale pour atténuer les charges familiales et les risques du métier. Les citoyens de tout pays ne manquent jamais d'occasion pour rappeler aux dirigeants la sécurité nationale. Aucun aspect de notre vie n'échappe aux besoins pressants de calme, de confiance, de quiétude, de sérénité, de tranquillité du cadre social. Et comme l'a écrit Jean Dutour, si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l'une ni l'autre. En clair, il n'y a pas de liberté sans sécurité. Élément fondamental de l'ordre public dont le maintien des règles obligatoires incombe principalement à la police, la garde républicaine et la gendarmerie, la sécurité est aussi un principe de droit, principe qui vise à préserver les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, évitant ainsi des réclamations, des contentieux interminables. La sécurité juridique est l'un des aspects du droit à la sécurité auquel tous les individus peuvent prétendre. La construction des locaux dignes du rang des hommes de droit est une source de motivation pour le personnel de notre tribunal, car le cadre de travail correspond à tous les éléments qui constituent l'environnement physique et matériel du,
du salarié influence les rendements des travailleurs. Doter les agents d'un cadre confortable de travail, améliorer les conditions matérielles de travail des serviteurs de l'État, c'est la preuve que les autorités de la transition mettent l'humain au cœur de la gestion des affaires publiques. Qu'elles en soient remerciées. Mesdames et messieurs, le grand espoir que l'ouverture du commissariat donne aux populations de Djenné aujourd'hui, c'est le sentiment d'être désormais à l'abri de certains dangers et risques liés à la clôture, à la culture humaine, à la culture urbaine, notamment vol, cambriolage, circulation et consommation d'alcool et de stupéfiants, dégradation d'espace public, comportement agressif, etc. Avec la présence de notre premier commissaire et de ses éléments, nous espérons que les efforts inlassables de la gendarmerie et de la garde républicaine seront récompensés et que les honnêtes citoyens seront encore mieux protégés des mauvaises personnes. Monsieur le commissaire de police, messieurs les policiers de Djenné, le socle des relations entre la police et la population, c'est la confiance mutuelle. Cette confiance doit être cultivée et entretenue par vos soins, par l'implication des élus et des autorités traditionnelles et par un indispensable effort de compréhension de la condition policière par les populations. Pour un départ, je vous invite à plus de pédagogie, à moins utiliser votre mandat répressif tant que cela est possible et à mettre en avant les tâches de tranquillité publique. Certes, tout comme la justice et l'armée, vous exercez votre mission pour le compte de l'État qui a le monopole de la violence légitime. Mais tout acte illégal posé par un policier engage la responsabilité de l'État et entame plus fondamentalement la confiance de la population dans les institutions publiques. Il me plairait de voir les policiers et les habitants de Djenné dans un jeu de rôle. Les populations sont aveugles. Elles ne voient pas le danger venir. Vous serez donc nos yeux. La police voit le danger, mais elle est sourde. Elle regarde ce que les textes disent. Nous serons donc vos oreilles. Cette complémentarité n'est certes pas suffisante, mais elle semble nécessaire à la réussite de votre délicate mission. La municipalité, au nom de laquelle je m'exprime, jouera tout son rôle afin que le commissaire et les 14 196 habitants de Djenné entretiennent le meilleur climat de collaboration. Au nom de la municipalité et des populations de Djenné, je dis grand merci aux autorités de la transition et au nouveau commissaire et ses éléments. J'adresse une formule consacrée de chez nous. Aou bismillah, Yandé Djenné, je vous remercie. Représentant ici le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le garde des Sceaux, monsieur le gouverneur de la région de Mopti, monsieur le préfet du sexe de Djenné, monsieur le maire de la commune de Djenné, le directeur général de la police nationale, mesdames et messieurs les responsables et directeurs centraux, monsieur le président et procureur du tribunal d'instance de Djenné, monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Mopti, messieurs et mesdames les représentants de la gendarmerie, de la police et de la protection civile de Mopti et de Djenné, monsieur l'ambassadeur du Danemark, madame la chef de la coopération de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali, mes chers collègues des Nations Unies qui sont ici, distingués invités, les Nations Unies sont très heureuses d'être associées à l'inauguration du nouveau commissariat de police et du tribunal d'instance de Djenné. La construction de ces infrastructures, comme vous l'avez entendu, a été réalisée dans le cadre du programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit. Ce programme, d'une durée de 5 ans, prévoit de fournir un appui aux populations maliennes
afin d'améliorer leur résilience face aux dynamiques de conflit et de leur permettre de vivre dans un environnement sécurisé et respectueux de l'état de droit. Il a été développé, évidemment, avec 4 ministères de l'État malien. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion, et bien sûr le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Ce programme comporte plusieurs volets, notamment la fourniture d'un appui aux infrastructures de paix inclusives afin de permettre aux populations de prévenir et gérer leurs conflits dans l'attente de la pleine fonctionnalité des services de sécurité et de justice du pays. Numéro 2, le renforcement de la présence des acteurs de sécurité et de justice dans les zones couvertes par ce programme. C'est d'ailleurs dans ce deuxième cadre que s'inscrit la construction des infrastructures sécuritaires et judiciaires que nous inaugurons aujourd'hui. L'implication de tous les acteurs, en particulier des femmes et des jeunes, dans la mise en œuvre du programme reste un facteur déterminant pour assurer sa réussite. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, ce programme est mis en œuvre conjointement par le PNUD, ONUFAM et la MINUSMA. Et il témoigne de la volonté donc des Nations Unies et de la communauté internationale en général dans son ensemble d'agir de manière intégrée aux côtés et en soutien aux autorités maliennes. Les infrastructures qui sont inaugurées aujourd'hui ne sont d'ailleurs pas les seules réalisées par ce programme à Djenné. Plusieurs activités sont également mises en œuvre dans ce cercle depuis le démarrage du programme en janvier 2020. Il s'agit par exemple de la redynamisation des commissions foncières, de la mise en place d'un comité consultatif de sécurité, de la réalisation d'activités communautaires pour renforcer la résilience à l'extrémisme violent. L'inauguration de ces infrastructures ne sanctionne pas non plus la fin des activités de ce programme. Nos activités vont continuer par être mises en œuvre durant les mois prochains afin de contribuer à renforcer l'efficacité, l'accessibilité et la redevabilité des nouveaux services de sécurité et de justice et de restaurer la confiance des populations envers ces acteurs. L'un des objectifs du programme étant bien sûr d'assurer un accès effectif des populations à ces institutions. Monsieur le ministre, la réalisation de ce programme ne serait pas possible sans l'engagement fort des partenaires techniques et financiers qui soutiennent les activités des Nations Unies au Mali. Il s'agit de noter ici le support bien généreux de l'ambassade des Royaumes-Unis, de l'ambassade du Danemark, des Royaumes-Unis, de la Norvège, de la Suède, du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, du Trust Fund de la MINUSMA et des projets QUIPS aussi de la MINUSMA. Monsieur le ministre, distingués invités, nous espérons que les... Monsieur le gouverneur de la région de Mopti, monsieur le préfet du cercle de Djenné, monsieur le maire de la commune de Djenné, mesdames et messieurs les responsables et directeurs centraux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, messieurs les présidents et procureurs du tribunal d'instance de Djenné, monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Mopti, monsieur le représentant de la gendarmerie de la police et de la protection civile de Mopti et de Djenné, monsieur le commissaire de police de Djenné, monsieur le commandant de brigade territoriale de gendarmerie de Djenné,
Monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies au Mali, coordinateur résident et coordinateur humanitaire. Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Danemark au Mali. Chers partenaires des Nations Unies, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités définies. C'est un réel plaisir et honneur pour moi de prendre la parole au nom de l'ambassade des Pays-Bas à l'occasion d'une cérémonie ayant deux objectifs. Tout d'abord, bien sûr, l'inauguration du commissariat de police et du tribunal d'instance de Djenné. Mais ça s'inscrit également dans le lancement officiel du programme CROSSMET aujourd'hui. Je suis particulièrement ravie de me retrouver encore une fois dans la magnifique région de Mopti et cette fois-ci dans la ville historique de Djenné. Mesdames et messieurs, cet événement marque un moment important dans nos efforts conjoints en faveur de la paix, de la stabilité et du renforcement de l'état de droit au Mali. Le programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit, ou PROSSMET en bref, est au cœur de l'engagement des Pays-Bas au Mali. Un partenariat fort et dynamique entre les deux pays qui existe depuis longtemps. La stratégie de coopération des Pays-Bas vise à accompagner nos partenaires nationaux à lutter contre les causes profondes de l'instabilité afin de renforcer les conditions propices à la paix et au développement durable. C'est ainsi que notre stratégie pluriannuelle pour la région du Sahel s'articule autour de quatre principaux thèmes. Sécurité en état de droit, santé de la reproduction et droits sexuels, eau et sécurité alimentaire et le développement du secteur privé. L'essence de cet engagement porte sur le renforcement du contrat social comme condition préalable pour la stabilité et le développement durable, c'est-à-dire la restauration de la confiance de la population en la capacité des structures étatiques à les protéger, fournir des services, résoudre des conflits et leur créer des opportunités. C'est là pour tous les Maliens, de manière inclusive, voire non discriminatoire. Et cette vision s'inscrit ainsi dans les priorités nationales du gouvernement malien, telles que présentées par plusieurs stratégies nationales. Le programme conjoint PROSSMET, mis en œuvre. Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur et Mesdames les représentants des autorités régionales et les autorités locales, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes organisations de l'ONU et des autres organisations qui sont ici présents aujourd'hui, tout protocole observé, je vous remercie pour cette occasion d'être ici aujourd'hui. Je ne peux que m'associer aux mots dits avant moi par mon collègue du Pays-Bas et les autres qui ont exprimé les sentiments de nécessité de changer quelque chose dans une région qui se trouve en crise. Et ça, pour cela, c'est pour le Danemark. Comme représentant de Danemark, je suis fier et je suis ravi d'être un partenaire à travers du programme PROSSMET qui est exécuté par le PNUD, par UNIFAM et par MINUSMA, d'être un partenaire avec les autorités de l'État, les autorités régionales et les autorités locales ici dans cette lutte. C'est clair que le rétablissement de l'État des droits, l'établissement de la bonne gouvernance sont au cœur de la lutte qu'on a devant nous aujourd'hui. C'est au cœur de recréer la confiance entre la population et les autorités. Maintenant,
c'est important aussi que les autorités régionales et locales ils s'approprient vraiment des nouvelles structures, des nouveaux mécanismes qui ont été mis à leur disposition aujourd'hui. C'est un grand défi et c'est pas facile. Ça peut pas être... La sécurité de la protection civile. Monsieur le gouverneur de la région de Mopti, monsieur le préfet du cercle de Guéné, monsieur le maire de la commune de Guéné, mesdames, messieurs les responsables et directeurs des services centraux du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, monsieur le procureur général près la cour d'appel de Mopti, monsieur le président et le procureur du tribunal de Guéné, messieurs les représentants de la gendarmerie, de la police et de la protection civile de Guéné, monsieur le commissaire de police de la ville de Guéné, monsieur le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie de Guéné, monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordinateur et résident et coordinateur humanitaire, monsieur l'ambassadeur du Royaume du Danemark au Mali, madame la première secrétaire de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali, chers partenaires des Nations Unies, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités déclinés. C'est un réel plaisir et un honneur pour moi aujourd'hui de représenter monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui aurait aimé être parmi nous aujourd'hui, mais qui a été empêché à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration et de remise officielle des infrastructures de sécurité et de la justice de la ville de Guéné. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de remercier et de saluer très vivement les autorités administratives, sécuritaires et judiciaires présentes ici, qui se sont mobilisées malgré un contexte difficile et personne d'entre nous n'ignore, autour de cette initiative louable qui contribue au renforcement de l'autorité de l'État au Mali. Qu'il me soit permis également d'exprimer mes sincères remerciements aux partenaires du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, de l'AMINUSMA et d'ONUFAM, ainsi qu'aux ambassades des Pays-Bas et du Danemark qui ont mis leurs efforts afin d'appuyer la réalisation de ces infrastructures et contribuer ainsi à restaurer l'état de droit dans le centre du Mali. Distingués invités, mesdames et messieurs, le ministère de la Justice s'est, dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice, adoptée en décembre 2019, donner comme priorité la modernisation du service public de la justice. Cette ambition se traduit notamment par des actions visant à renforcer l'accessibilité et la qualité de la justice pour les justiciables. La sécurité et la protection civile, monsieur le représentant du ministre de la Justice, du droit de l'homme, garde des Sceaux, monsieur le gouverneur de la région de Mopti, monsieur le maire de la commune de Guéné, monsieur le procureur général près la cour d'appel de Mopti, monsieur le président et procureur du tribunal d'instance de Guéné, monsieur le préfet de la ville de Guéné, messieurs les notabilités traditionnelles et religieuses de la sainte ville de Guéné, monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, monsieur le représentant du PNUD, monsieur le représentant de l'AMINUSMA, monsieur le représentant de la composante police de l'AMINUSMA, monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale du Mali, monsieur le directeur général de la protection civile, distingués invités, mesdames et messieurs les représentants des médias, je suis particulièrement heureux
d'inaugurer aujourd'hui, aux côtés du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le nouveau commissariat de police de la ville de Djéné, que nous devons à la détermination des autorités de la transition et à la coopération fructueuse du PNUD et de l'AMUNISMA. Cette nouvelle unité de police, construite par le PNUD et équipée par l'AMUNISMA, constitue une et au-delà la protection des personnes et des biens contre les malfrats et les terroristes. Monsieur le directeur régional de la police de Mopti, la population doit se sentir en effet protégée dans ces temps difficiles par les serviteurs de l'État que vous êtes. C'est son droit et c'est notre devoir d'y veiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je demande au cadre et au personnel de ce nouveau commissariat un engagement exemplaire dans la lutte contre la délinquance et la criminalité. Je le répète ici comme ailleurs, il n'existe qu'une violence légale, c'est celle de l'État. Et toute autre violence est illégitime et doit être sévèrement réprimée et leurs auteurs déférés devant la justice. Chers collègues, un seul mot d'ordre est à retenir et doit vous guider dans vos différentes missions. C'est la tolérance zéro. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons espérer obtenir la confiance et la collaboration de la population. Je vous demande d'établir avec cette population, partout où cela est possible, un partenariat actif, permanent, sur la base d'une écoute attentive de ses préoccupations et de ses inquiétudes. Je vous invite à privilégier la collecte de renseignements. Sans renseignements, aucune action efficace n'est possible. Sans renseignements, un policier est à la fois sourd et aveugle, et donc très vulnérable. La population peut et doit fournir ses renseignements. C'est une preuve de civisme de sa part, mais à condition que vous puissiez entretenir avec elle des relations de confiance. Soyons convaincus que plus tôt vous obtiendrez de bonnes informations, mieux vous serez en mesure de la protéger, de protéger la population et d'assurer votre propre sécurité. Chers collègues, nous vivons une période extrêmement dangereuse. Tout doit être fait pour anticiper les mouvements hostiles des criminels afin de les tenir en échec. Dans le même esprit, je vous exhorte à assurer la protection de vos locaux par le renforcement du nombre de sentinelles et ce également 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre survie résulte d'un effort collectif de chaque instant. Pour conclure, je voudrais insister sur le vœu très cher à notre ministre de tutelle, qui est la nécessité d'instaurer une étroite collaboration avec les autres forces de sécurité, la gendarmerie, la garde nationale, les douanes maliennes, les eaux de forêt, au nom du principe selon lequel l'union fait la force. Cette collaboration est indispensable pour parfaire notre dispositif de sécurité collective. Je sais pouvoir compter, mes chers collègues, sur votre dévouement au service du pays. Yoro asahalendo yoro krotalendo ka sabuke anya ye ka fo minye anga jamana nyemgo krangre nyana fem fem betalike alakana kuta fanfla fe apela gelebe kenaka ni onyema ya be
ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, nous le colonel-major Daoud Ali Mohamedine. Ani ikado a djenyoro no ye a baraka nyoro ye chamande nana yanno wa kafra an yeruka maragne maka no ye gouverneur de région ye colonel major Abbas Dambélé ani anga jamana de mebau au bela gele boraka to meyame okmana minye an fra nyoro kan okmana jineka o amese ga foko tare tare ka sabu ke here kura bora anye hamina kumi be jamana nyemugo la ani an yerula no ye lakana koyi en rel la kanani ni ambulo feu la kanani o kwanda unna nganye kafra la kanaba touka no ye gendarmerie abi awa gardouye ani awa fanfanye awa kado kafo bulu masri tabawi awa police fana ulu fana taga road la na enferno ni ambu suba kono no ye commissariat de police o kwanda utemene ko fe mi merci. On a 14 jours ici. Équipé. Et dans la région de Mopti. Et aujourd'hui, donc, que vous, le centre d'intérêt des infrastructures, que vous venez d'inaugurer ce matin. Merci, merci de me donner la parole. Comme vous le savez, ça fait partie de nos priorités aujourd'hui, le renforcement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Et c'est dans cette optique que le président de la transition, chef suprême des armées, le premier ministre chef du gouvernement aussi, s'inscrit dans la même logique. C'est de protéger au maximum la population et leurs biens, faire en sorte que les forces de défense et de sécurité soient présentes partout où elles doivent être présentes. Nous sommes en train de travailler, donc c'est le lieu de remercier les Nations Unies, le PNUD et à travers les partenaires, tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ces différentes infrastructures, à savoir le commissariat de Djéné, le tribunal aussi de Djéné, les remercier pour cet accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, le Malien a soif d'un certain nombre de choses, à savoir la sécurité et la justice. Et ces deux aspects sont, je dirais, les piliers même d'une démocratie et d'une bonne gouvernance. Et ces deux aspects vont ensemble. Donc la sécurité avec la chaîne pénale, nous travaillons toujours ensemble. Et c'est le lieu, encore une fois, au nom de mon collègue ministre de la Justice qui est ici représenté par le directeur national, remercier dans le cadre de la solidarité gouvernementale, remercier les partenaires pour la réalisation de ce tribunal en plus du commissariat. Donc nous inscrivons toujours dans la logique de faire en sorte que nous soyons présents, de faire en sorte que la population se sente rassurée. Aucune œuvre humaine n'est possible sans la sécurité. Il n'y a pas de développement économique, pas de développement social, pas de développement culturel, rien n'est possible sans la sécurité. Et au-delà de la sécurité, la justice. Donc aujourd'hui, ces deux aspects sont à prendre en compte dans le cadre de la bonne gouvernance, dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens. Un message à l'endroit, bien sûr, de la population. Merci. Je l'ai initialement dit, je ne cesserai de le dire. Je confie cette police et même cette justice à la population, à l'administration, aux notables, aux élus, aux différents chefs religieux, les chefs coutumiers, pour leur dire que ces différentes structures qui sont là sont ici pour eux, pour cette population. On leur confie encore une fois tous ceux qui y travaillent pour leur dire que ces structures sont là, ces personnes, ces hommes et ces femmes qui travaillent dans ces différentes structures, les forces de sécurité, de les protéger. Je vous remercie. Nous sommes les Nations Unies, mais à Famba, il y aurait sécurité à les justiciers. Nous, au Flam, Matrafala, Dougou, Dougou, Fenchambe, Sekake, Bibina, Fouite, Sekake, ni sécurité.
itsegata justice la itsegata bara wera fuike na alaga kizikera tuar la hali bara kero itsegata i itsegata seneke itsegata monike itsegata jaboke ni sécurité teno ore kama anga la nyini miye ambeseka sécurité mwa kera sarasi kera police kera garde kera gendarmerie protection kera fongo fe namse gubla yoro yoro wala saka nga population la kana ambake ni yoro ina ku fuku wala nyimando ka nyini population fra fuku hakli to nununa mombia ou bien ulu de kama ou bien ou lakaran de kama ou ya ou demene de kama ou fana kou de mouka barala ka fo fana anga fini dona no e polisi ouye ou ka bloukuna ou bien population de kama ou bien population lakaran de kama fo y manga tout ka fo une population be se nyoroma wala ma ou fo nyoroma donc ou kalfa le me nyoroma Mwanyana, merci beaucoup. Monsieur le directeur général de la protection civile, monsieur le commandant de la 6e région militaire, monsieur le commandant de la 6e région de gendarmerie, monsieur le commandant du 5e groupement de la garde nationale, distinguées autorités administratives, juridiques et militaires. L'investissement d'un total de presque... Monsieur le gouverneur de la région de Mopti, monsieur le préfet du cercle de Mopti, monsieur le représentant des cas Sahel du Mali, monsieur le directeur national de la gendarmerie, mesdames et messieurs les chefs de service régionaux ici présents, mesdames et messieurs les forces armées et de sécurité, mesdames et messieurs de la société civile, mesdames et messieurs de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, les miséricordieux, les très miséricordieux, pour nous avoir permis de nous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie officielle qui consacre l'inauguration des infrastructures au profit de la gendarmerie nationale. Je voudrais ensuite, en votre nom, monsieur le gouverneur de la région de Mopti, au nom de toute la population, souhaiter la bienvenue à son Excellence, monsieur le ministre et sa délégation, et leur rappeler qu'ils sont ici dans la vignette malienne. Je voudrais ensuite, au nom du maire de la commune de Mopti empêché, et au nom de toute la population, souhaiter la bienvenue à tous nos invités qui ont fait le déplacement pour prendre part à cette cérémonie de haute portée. Je voudrais enfin remercier les forces armées et de sécurité qui ont magnifié cette rencontre de leur présence et nous demandent toute l'importance qu'ils accordent aux questions liées à la sécurité. Honorables invités, mesdames et messieurs, dans la vie d'une collectivité, il y a des moments très agréables au-delà du très très quotidien. Celui de cet après-midi en fait partie. Et pour vous dire, j'ai beaucoup de mal à discipliner ma joie, cela pour deux raisons. D'abord, que les soins des projets réalisés soient portés sur la commune de Mopti est un motif de fierté pour tous les mopticiennes et mopticiennes. Ensuite, l'objectif est d'une telle importance pour la sécurité de notre région. C'est donc pour moi une fierté de célébrer avec vous aujourd'hui l'inauguration de ces infrastructures au profit des forces armées et de sécurité. Monsieur le ministre, votre présence à nos côtés ce matin témoigne de la volonté du président de la transition et son gouvernement à accompagner les forces armées et de sécurité pour la réussite de leur mission. J'ai saisi cette occasion qui m'est donnée ce matin de remercier l'Union européenne et l'ensemble de vos partenaires pour leur accompagnement et surtout leur constante disponibilité. Monsieur le ministre, distingués invités, leur rôle de sensibiliser à travers de s'appeler vous aujourd'hui dans vos locaux, je passe l'impunité. Le renforcement de la chaîne pénale et le respect fondamental des droits de l'homme au profit des Maliennes et Maliens sont au cœur de cette approche intégrée. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui de prendre la parole devant vous pour vous délivrer trois messages. Les forces de sécurité intérieure maliennes sont nos partenaires. La stabilisation du centre est essentielle pour l'avenir de ce pays et pour toute la région tout entière. Vos acquis ainsi que les résultats que vous poursuivez sont importants pour nous tous, que ce soit les Maliens, les Africains de la région sahélienne, mais aussi pour nous, les Européens, qui sommes vos voisins. Le respect fondamental des droits de l'homme, dont nous célébrerons la journée internationale vendredi prochain, ainsi que la lutte contre l'impunité, sont essentiels pour le bon fonctionnement des services de sécurité et plus largement de l'ensemble des services de l'État. Vos actions quotidiennes sont extrêmement importantes pour la confiance de la population aux forces de sécurité. Cette confiance est essentielle pour réussir vos efforts vis-à-vis de la stabilisation du Mali et un meilleur avenir pour tous.
Monsieur le ministre, monsieur le directeur général de la gendarmerie, chers invités, je souhaiterais vous remercier, monsieur le ministre et monsieur le directeur général, pour, ainsi que vos conseillers, le commandant de la région et le maire, ainsi que l'ensemble des partenaires présents aujourd'hui, pour votre détermination et vos efforts consentis pour la sécurité des Maliens, ainsi que pour votre hospitalité qui a permis l'organisation de cette belle cérémonie qui nous réunit aujourd'hui tous ensemble. Je vous remercie. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, monsieur le gouverneur de la région de Mopti, Excellence, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, monsieur le président du conseil régional de Mopti, monsieur le président du conseil des cercles de Mopti, mesdames et messieurs les membres de la délégation du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, monsieur le maire de la commune urbaine de Mopti, monsieur le chef de la mission ECAP Sahel Mali, monsieur le chef de l'unité mobile de Cap Sahel Mopti, madame la chef du bureau régional de l'AMUNISMA, monsieur le directeur général de la police nationale, monsieur le directeur général de la protection civile, monsieur le directeur de l'office central des stupéfiants, monsieur le commandant de la région militaire numéro 6, mesdames et messieurs les autorités coutumières et religieuses de la région de Mopti, madame la présidente de la société civile de Mopti, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole observé. L'honneur me choisit de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'inauguration des nouveaux locaux de la région de gendarmerie de Mopti. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, permettez-moi d'inviter l'ensemble des participants à observer une minute de silence pour saluer la mémoire. Vous étiez là pour inaugurer les infrastructures abritant le groupement territorial de la garde nationale à Mopti et le commissariat de police de Douanza, tout en visitant également l'ensemble des structures du ministère de la Sécurité. Tout à l'heure, ce serait le tour de la région de gendarmerie du Mopti et de la Farjante et des structures relevant de la région de gendarmerie de Mopti. Au nom de l'ensemble du personnel de la gendarmerie nationale, je voudrais vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir effectué le déplacement en dépit de vos multiples occupations, toutes choses signifiant l'intérêt que vous accordez à la sécurisation des personnes et à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos personnels. Mesdames et messieurs, distingués invités, ces nouveaux locaux devaient abriter les services de la région de gendarmerie, la Farjante et des structures relevant de la région ont été entièrement financés par l'Union européenne à travers ECAP Sahel Mali, à concurrence de 917 676 728 francs CFA. Il se compose ainsi que suite. Un bâtiment administratif à deux niveaux, composé de 7 bureaux et d'une salle de réunion. Un bloc dortoir à deux niveaux, composé de 7 chambres. Un bâtiment regroupant la zone médicale et une armurerie, une salle de sport et un magasin. Un bâtiment composé d'une cuisine et d'un réfectoire d'une grande capacité. Les travaux de clôture, de mirador et une sécurisation passive sur 404 mètres. En outre de ces réalisations, nous pouvons noter de 2006 à nos jours que Cap Sahel a eu à réaliser au profit de la gendarmerie nationale les actions suivantes. L'inspection de la direction générale de la gendarmerie nationale, deux hangars avec deux bureaux à la sous-direction logistique, les PSDG, les ateliers mobiles, les cuisines mobiles, les mobiliers de bureaux et un lot important d'informatique, dont ceux ici présentés en échantillon. C'est le lieu de saluer tous ces efforts, d'adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude aux membres du Cap Sahel et de l'Union européenne en général. M'adressant au personnel de la région des gendarmeries de Mopti, je vous invite au professionnalisme, à l'engagement patriotique, à la synergie d'action et à la cohésion avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Nous avons une obligation,
une redevabilité vis-à-vis de nos citoyens. Un carnet bien rempli de tiennets, bien sûr, nous nous trouvons à Sivari ici. Et c'est dans le cadre de l'immigration, bien sûr, du bâtiment de la gendarmerie. Et toutes ces investigations visent un seul objectif, la sécurisation du pays. Donc quel est le centre d'intérêt, bien sûr, des initiatives prises par le gouvernement de la transition? Merci, merci de nous donner la parole. Vous savez, dans notre objectif, dans les axes que nous avions déterminés au niveau du programme d'action gouvernementale, sur l'instruction bien sûr du président de la transition, chef suprême des armées, c'est le renforcement, l'axe 1, c'est le renforcement de la sécurité. Donc aujourd'hui, nous avions vu que la première des choses, en plus bien sûr des autres, tout est important, mais aujourd'hui la priorité, c'est la sécurité. Il faut renforcer la sécurité partout sur le territoire national, dans toutes les villes, entre les villes, dans les campagnes. Parce que c'est avec ça que nous pouvons passer à d'autres actions beaucoup plus concrètes, à savoir les actions de développement. Je tiens ici à rassurer la population que nous travaillons d'arrache-pied pour avoir la présence des forces de défense et de sécurité sur toutes les localités, partout où il y a urgence, que nous soyons présents. Donc nous travaillons à longueur de journée dans ce thé-là. Et je tiens ici à remercier les partenaires qui nous accompagnent pour l'atteinte de ces différents objectifs, à savoir l'Union européenne qui nous accompagne au quotidien et de façon efficace. Et à travers l'Union européenne aussi, je salue le Cap Sahel qui est là. Vous voyez, nous sommes en face d'un bâtiment très imposant et qui a été très bien fait et qui prend en compte toutes nos aspirations. Donc c'est le lieu aussi ici de remercier encore une fois au nom du président de la transition, chef suprême des armées, les partenaires de l'Union européenne, encore une fois le Cap Sahel, pour cet accompagnement de taille. Donc nous travaillons toujours pour essayer de mettre nos hommes dans les bonnes conditions de travail et afin que nous puissions attendre d'eux les résultats dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens. Je vous remercie. Il y a un an, il y a une gendarmerie Sokurao, l'inauguration. Il y a des gens à Djorakani, il y a des gens à l'Union européenne, il y a des capsules ou flancs qui sont faits. Donc, il y a des gens qui ont été faits pour les gens qui ont été faits pour les gens. Il y a des gens qui ont été faits pour la sécurité. Il faut que tu aies une sécurité. Tu sais que tu as une sécurité, tu sais que tu as une sécurité, tu sais que tu as une sécurité. Dans le cours de la vie, vous voyez qu'il y a des barraques, la sécurité qui est là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a le renforcement de la sécurité. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Quand il y a des populations, il n'y a pas de carfalé. Les gendarmes sont là, il y a des gendarmes, des policiers, des gardes, des gardes, des protections civiles, il y a des gens qui sont là, il n'y a pas de carfalé. Il y a des gens qui sont là. Le gouverneur est en folie. Le gouverneur a foragné avec Minke, fini de Naoui. Il y a des barala, il y a des cobayes. Il y a des folies.